À la une de l'actualité également, les Pandora Papers, nous en parlons depuis lundi. Cette enquête internationale fourmille de révélations sur le recours aux sociétés offshore dans les paradis fiscaux, dévoilée par le consortium international des journalistes d'investigation, fruit du travail de plus de 600 journalistes dans 117 pays sur quelque 12 billions de documents. Parmi les plus de 330 personnalités recensées dans cette enquête, 43 sont des Africains, dont le président gabonais Ali Bongo. Il aurait été le bénéficiaire de deux sociétés offshore, aujourd'hui dissoutes. Explication avec François Mazet. Selon le consortium, Crestfield Worldwide Limited a été immatriculé le 30 mars 2007 aux îles Vierges britanniques et Gazebo Investment Limited 10 mois plus tard, le 29 janvier 2008, par un autre cabinet spécialisé. À cette époque, Ali Bongo est le ministre de la Défense de son père, auquel il succédera en 2009. S'il est le directeur de la première structure, il partage l'actionnariat de la seconde avec son ancien directeur de cabinet, ancien ministre et actuel député de Franceville, Jean-Pierre Ouyiba, ainsi qu'avec le franco-gabonais Claude Cesalori, militant de toujours du PDG, le parti au pouvoir, et premier époux de l'actuelle première dame, Sylvia Bongo Ondimba. Aujourd'hui, ces deux sociétés ne sont plus actives et ont été radiées du registre des îles Vierges britanniques. Pour le président de Tournant la Page International, Marco Naesangi, ces accusations viennent rappeler, je cite, qu'Ali Bongo n'a jamais été sincère dans ses discours contre la corruption. Lui et son entourage immédiat siphonnent les caisses de l'État depuis plus de 50 ans, accuse-t-il. La présidence gabonaise, de son côté, n'a pas souhaité réagir aux affirmations du consortium. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.